Yo tout le monde, c'est Felix. On se retrouve en découpe pour un nouvel épisode de Final Fantasy VII. La dernière fois, on avait réussi à sauver Hylis. Et du coup, je vais juste baisser un peu le son dans mes oreilles. Et vous baissez le son à vous. Et donc on s'était fait un nouvel ami. Donc Philou, hein, qui était un nouveau personnage, un tigre qui était exploité par la Chine là. Non, il faut qu'on descende. Et pour descendre, ben, il fallait passer par là. Faire tout le tour. 5 minutes later. Non, je t'en prie, ne me tue pas. Je ne faisais que demander. Pour te prouver, voici la carte de 68. One hour later. Ah si, c'est ce qu'il fallait faire. Où vas-tu? Tout le monde nous attend. À l'ascenseur du 66e. Ok. One eternity later. Voilà, on termine. Allez. Tac. Donc on descend à l'étage 66. Et ces trucs qui ne ressemblaient pas à des ascenseurs sont en fait des ascenseurs. Mais qu'est-ce que c'est? Pourrais-tu appuyer sur O? Des Turks. C'est sûrement un piège. Quelle sensation tu as dû avoir? Ça t'a plu? Vous allez tous vous faire prendre vous aussi. Où est Aeris? En lieu sûr. C'est une importante survivante des anciens. Tu ne le sais pas, il se faisait appeler laisser trace. Et il vivait il y a des milliers d'années. À présent, c'est une page oubliée de l'histoire. Intéressant. Les Cétras, cette fille est une survivante des Cétras. Les Cétras ou les anciens vont nous guider vers la terre promise. J'ai beaucoup d'espoir en elle. La terre promise, n'est-ce pas une simple légende? Même si c'était le cas, ça vaut le coup de s'en assurer. On dit que la terre promise est très fertile. Si la terre est fertile,
Alors, il doit y avoir de l'énergie Mako. Absolument. C'est la raison pour laquelle l'argent que nous gagnons avec le réacteur Mako est nécessaire. L'abondant Mako viendra à nous tout seul. C'est là que Neo Midgard sera construit. La nouvelle gloire de la Shinra. Arrête de rêver. Oh vraiment, tu n'es pas au courant de nos jours. Ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, c'est de l'argent et du pouvoir. Et bien voilà qui conclut cette réunion. Allez, ça suffit. Attends, j'ai beaucoup de choses à te dire. Il se fait pousser par un garde du corps. Tu as besoin d'autre chose? Adresse-toi à ma secrétaire. Aïe aïe. On peut sortir. Je me demande comment va Eris. Glad, tu es là? Eris, tu es saine et sauve? Oui, je vais bien. Je savais que Claude viendrait me chercher. Et je suis ton garde du corps, non? On avait dit un rendez-vous, c'est ça? Oh, je comprends. Tifa? Tifa, tu es là toi aussi? Excuse-moi. Dis-moi, Iris, j'ai une question. Quoi? La Terre promise existe-t-elle vraiment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Sertras naissent de la planète communique avec la planète. Attends. Les Sertras naissant de la planète communiquent avec la planète et peuvent l'ouvrir. Et alors? Les Sertras retourneront à la Terre promise, une Terre qui promet un bonheur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que des mots, je ne sais pas. Parler avec la planète? Mais que dit la planète? Il y a beaucoup de monde et de bruit. C'est pour cette raison que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu l'entends maintenant? Je ne l'ai entendu que dans l'église des Taudis. Mère disait que Midgard n'était plus en sécurité. C'est ma vraie mère. Partir de Midgard un jour, communiquer avec la planète et trouver ma terre promise. C'est ce que maman disait. Je croyais que je n'entendrais plus sa voix en grandissant, mais... Mais... On va voir comment va Barrett. Hey. Barrett fait partie des anciens. Et le vrai nom des anciens, etc. Les anciens savent où se trouve la Terre promise. Et la Shinra recherche la Terre promise. J'ai vaguement entendu parler de la Terre promise. Je ne sais pas si elle existe vraiment. C'est bon? La Shinra croit que la Terre promise renferme de l'énergie Mako. Cela signifie que si la Shinra la trouve, elle épuisera toute l'énergie Mako. Et la Terre se desséchera, la planète s'affaiblira. Je ne peux pas les laisser seuls. Je vais recruter de nouveaux membres. Tifa, Clad, Aya, Iris, comment? Et toi?
Tu es si ennuyeux. Aïe aïe. Grand-père. 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 Qu'y a-t-il de si drôle? Rien. Ben, dormons un peu en attendant. De toute façon, avons-nous vraiment le choix? Tous les choix menaient à dormir un peu. Bon, au bout d'un moment, ben, on va dormir un peu. Tifa. La porte est ouverte depuis quand est-elle ouverte? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Tu peux ouvrir les autres cellules, on est d'accord. Tifa, réveille-toi. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas, regarde dehors. Ok. Je me demande ce qui s'est passé. Il doit avoir la clé sur lui. Allez Tifa, emmène à Iris, je vais aider Barrett. On a dû être attaqué par... Barrett, Filou, venez avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment es-tu entré? Pourquoi la porte est-elle ouverte? Bah je sais pas moi, je me réveille, c'est comme ça. Mais que s'est-il passé? Aucun humain n'aurait été capable de faire ça. Je pars devant. Ok. J'ai sur les arrières, alors partez devant les gars. Ne vous faites pas prendre par la Shinra. Venez, suivons Filou. Ok. Filou, il est parti par là ou par là? Ah! On comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Le spécimen de Genova. On dirait qu'il est allé à l'étage. Attends-moi le chat! Hé! Hey. Aïe aïe. N'empêche, j'aurais pu... Aïe aïe. Nani? Ah oui, d'accord. Touk. Ok, on gagne. Mais c'est assez chelou là, c'est assez étrange ce qui se passe. On va sauvegarder hein, déjà. On sauvegarde.
On dirait que ça va faire là-bas. Aïe aïe. Là, on les fout droit en entendant. C'est quoi ce truc? Chelou. Normalement, s'il meurt pas de cette attaque, il mourra après. Tac. Putain. Voilà. N'empêche, c'est assez bizarre ce qui se passe dans la tour là. Au moment où je vous parle. Ouf, une nuée électrique. Ok. Ah, du coup, le bio, ça heal, je crois. J'ai bien compris. On va essayer de faire ça sur un allié. Ah bah non, je l'ai buté. Ok. Je devrais pouvoir m'en sortir. Hop là, au moins. On fout droit. Touk. Voilà, on gagne. 30 kilos. Aïe aïe. Tac. Éléments. Voilà, c'est tout ce que je peux faire.
Hop là, on s'emballe dans les bureaux de la Chine là. Petit à petit, on... Oh, tout le monde a explosé. Aïe aïe. Ok. Mystérieux ce qui s'est passé. Mais écoutez les gens, on sera ce qui s'est passé dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, à like, donc à vous liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Félinxeux, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.